Bon, Chep, c'est quoi notre prochaine destination? Ah, rien de compliqué. Après, on a pris la route montagneuse. Enfin, même si bon, c'est pas si montagneux que ça. On va aller dans une destination qui s'appelle la ville qui est sous le nom de Plataniaville. Plataniaville? Apparemment, d'après ce qu'on m'a dit, les rumeurs, ils cachaient quelque chose de très sacré. Quel genre de quelque chose de très sacré? Bah, je pense que ça va être une sorte de symbole. Bah alors, qu'est-ce qu'on attend pour y aller? Mais il y a un petit truc. Ouais, un petit truc. Mais pas n'importe lequel. Un gardien? Ou des puzzles? Ou quoi que ce soit? Non. Il explique du fait que le temple est en ruine depuis longtemps. Donc, si jamais on risque de faire quoi que ce soit, ou d'utiliser une capacité, une sorte de ruine, ou bien le château risque de s'écrouler et qu'on risque de tomber dans un trou. Là, on risque d'avoir, avec des caves, quoi que ça d'autre, un risque d'avoir des Pokémon sauvages. Des Pokémon sauvages? Je sais pas, mais on m'a rien dit de plus parce qu'il s'est rien se passé depuis. Rien se passer, c'est-à-dire. Et puis d'abord, pourquoi on voudrait faire un château alors qu'il y a un gros trou qui risque de nous faire tomber bien plus profond de la cave? Je sais pas, je comprends même pas la logique. Oh bah bref, je suis quand même content que je vous ai rejoint dans votre équipe. Tu n'arrêtes pas de dire ça pour une bonne douzaine de fois, ça commence sérieusement à me saouler. Si tu répètes ça, et bah je vais te défoncer. Bah si moi je vais te défoncer. Bon, arrêtez de vous dire peut-être, hein. On a quand même une quête à faire. Et puis je vous rappelle quand même qu'on a 3 symboles. Donc franchement, il ne reste plus que 5. Et c'est quand même très facile, hein. Ouais, c'est clair. Oh non! Ne me dis pas que c'est un Pokémon sauvage! Non! C'est un mini-change! Ah, il parle! Donc c'est bon signe. Et pourquoi est-ce que tu t'atterris ici, hein? Tu as quelque chose à nous dire? Ouais, exactement! Sachez que vous connaissez les bras d'hibou! Ce serait pas le starter d'Alola? Ouais, exactement! Je suis aussi messager de la région Virilix! Messager? Ouais, on a quand même une rôle très importante! Dès que Bradibou essaie de poser quelque chose, eh ben je lui donne un relais! Mais vous n'aurez pas vu un lapin bleu avec un t-shirt rouge? Non. Parce que j'essaie de lui mettre un message de la part de Buster, enfin de Babs, quoi que ça d'autre. Et si vous voyez Buster, bah ça m'arrangerait parce que ça fait déjà plusieurs mois que j'essaie de trouver et ça franchement j'ai quand même d'autres colis en cours. Donc ça m'arrangerait. Bon, si tu veux, ouais. Comment ça, si tu veux? On a quand même des quêtes à faire! J'en ai plus qu'assez d'en faire le. Eh, on a juré de faire de bonnes actions à Virilix. Donc, pourquoi pas? Ok, merci! Tiens, la lettre de Buster! Buster? C'est donc ça comment il s'appelle? Ouais, exactement! Et surtout, je vous souhaite bonne chance! Enfin, je vais pouvoir faire d'autres livraisons! Les autres, c'est plutôt difficile, hein! Et vous voyez, je suis plus rapide que Pradibou! Regarde comment je fais! Hein? Deux! Oh ouais! En effet, il est beaucoup plus rapide que Bradibou, hein. Il peut tout faire, hein. Des éléments virilistes n'arrêtent pas de vous surprendre. Bon, on peut reprendre un autre sujet. On va aller vers la ruine de Platania, puis récupérer la symbole. Il a raison. Ouais. Ça voudrait dire qu'on va juste récupérer la quatrième symbole, à moins qu'il y ait quelque chose de suspect ou quoi que ça d'autre. Ne porte pas malheur! Quoi? C'est plutôt calme comme ville? Rappelle-moi, Chub, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a de particularité cette ville? D'après ce qu'on m'a raconté, cette ville, c'est ici même où se trouve le centre de la cave. Mais quelle sorte de cave? La cave de Platania. La cave de Platania, ils sont même pas foulés pour trouver le titre. Et on peut pas faire mieux, désolé. Donc arrête de plaindre, Reine. Ouais, c'est vrai. Mais bon, voilà, c'est pas ça qu'on va plus se focaliser. De toute façon, on a déjà un autre chemin qui va nous mener direct à Electropolis. Hein? Où est-ce que tu vas revenir par là? Ce serait pas celui où on y était pour le professeur, là où on avait la Game Boy Phone. Quoi? Vous avez la Game Boy Phone? Wow, vous avez vraiment trop de la chance. Merci, mais vous rendez compte le prix de la Game Boy Phone? 500 euros! Ouais, c'est l'arnaque! Écoute, ce sont des consoles, c'est comme ça et on n'y peut rien. Mais de toute façon,
On a déjà la Game Boy Phone, donc ça sert à rien de se débattre pour ça, mais là où ce qu'on veut savoir, c'est où est-ce qu'il est le temple de Platania. Ah. Voilà le temple. C'était plutôt facile. Ouais. Très facile. Si ça se trouve, il pourrait pas y avoir de gardien. Soyons sûrs, mais soyons prudents surtout. Bon. Vous êtes prêts? Ouais. Prêt. 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 Prêt pour quoi? Pour le boss? Ouais. Mais rappelle-moi, ce serait pas s'il avait pas bien dit que le temple est en ruine. Donc si jamais on utilise la capacité. Mais qui dit? Il y a même pas de monstre si ça se trouve. Peut-être qu'ils ont eu peur parce que le fait qu'ils veulent pas tomber au fond de la cave. Bon, peu importe, allons-y, mais soyons un peu plus discrets. Comme ça. Comme ça. Ok, d'accord, mec. Discret, grand. Chut. Je rêve où ce grenouille me donne des ordres. C'est un tétard, pas une grenouille. Faut savoir ce qu'on veut, merde. Ok, jusqu'ici, il n'y a pas le moindre d'embrouille. Tu as la voix normale et pourtant ça se passe rien. Et si je vais sauter le sol? Attends, non! Si tu fais ça, tu n'as vraiment le château, il va être vraiment ruiné et on va être tout au fond dans la cave à cause de toi. Ah, c'était juste ta tête. Voilà, ça va. Le symbole! Le symbole est baigné bien là! Oh, c'est super! Notre quatrième symbole! Et du coup, on n'aura pas à affronter le boss ou bien à faire un tas d'épisodes pour ça? Oh, mais c'est vraiment trop génial! Ça, je te le fais vraiment pas dire. Ça voudrait dire que c'était vraiment trop facile. Ouais, trop facile. Bah, c'est quand même bien! Non, mais parce que je sens comme un sort de vibration qui a l'air vraiment... pas vraiment bien. C'est-à-dire? C'est-à-dire à chaque fois lorsque c'est trop facile, on rajoute quelque chose pour vous savez? Enfin, qu'importe, de toute façon, cette table, elle est à moi! Quoi? Mais tu serais pas la fille de Rocaliaville? Quelle fille? Loulou? Mais c'est une vraie peste! Pourquoi? Parce que la dernière fois, lorsque je l'ai rencontrée, elle m'a balancé une malédiction et m'a balancé le fait que j'aurais eu malchance pendant une semaine! Quoi? De quoi tu... Attends une minute. C'est vrai que c'est quelqu'un qui a dit ça? Oui, exactement. Et j'en suis fière. Oh, espèce! Attends une minute. Le coup de corambulis à un profond sommeil. C'était toi? Ouais, exactement. Mais comment tu peux faire un chose pareil? Mais alors pourquoi est-ce que tu essaies de nous aider? Je pensais que vous seriez des personnes pitié. Mais apparemment, c'est même pas le cas. Et je vois aussi que vous avez trois symboles. Ouais, exactement, on a vraiment besoin pour une bonne cause. Et moi aussi. Et donc, cette symbole-là, elle est pour moi. Non, dans tes rêves. On a fait tout ce chemin pour ça. Toi, tu utilises avec une balai, espèce de fainéante. Désolé de dire ça, mais cela dit, je vous offre deux options. Soit vous me donnez trois symboles, et du coup, je vous épargne. Soit c'est pas le cas, je vous envoie direct dans le fond de la mine. Ça, jamais. Ah, écoute, Jap, cette fille a l'air très sérieuse. Donne les symboles. Non. Vous êtes de mon avis, hein? Non. Il faut pas la donner. On n'a pas fait tout ce chemin pour rien. Tu peux toujours rêver. On dit pas, je pense que t'es quelqu'un de bien. Mais au final, tu vas pas me faire avoir. Oh non. Tant pis pour vous. Bon. Oh mon dieu, qu'est-ce que vous avez fait? Sortez-vous! Ah! 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 Je n'ai jamais eu de chute aussi mal que ça. Oh, je te le fais vraiment pas dire, ta maman. Aïe. Oh. Ah, maintenant, je sais comment est-ce que les gens ressentent quand ils font des chutes comme ça. Oh. Maman, on fait comment pour remonter d'ici? Ça,
C'est vraiment la poisse. On aurait pensé qu'on aurait fini l'épisode comme ça. Ouais, qu'on aurait pu s'intituler là, le chapitre 5. On a le symbole de plante, voilà, on se barre. Malheureusement, c'est même pas le cas. Mais attends une minute. Quoi? Où est-ce qu'il est, Ren, Moustillon et Yann? C'est vrai ça? Tu es le seul compagnon que je puisse te rencontrer dans cette cave, mais pas les autres. C'est vraiment trop bizarre. Oh, malheureusement, on est éparpillés. Nous qui pensions qu'on risque d'être épargnés après tous ces obstacles, mais on a vraiment tort. Il faut juste qu'on les retrouve et qu'on sorte d'ici. Ouais, exactement. Melman? Mais c'est qui lui? Doc, qu'est-ce que tu pensais? Es-tu ma boule? Tu risques de retourner dans la cave? Platania? Et toi, tu es toujours aussi normal? Normal, tu parles, il se comporte comme un trisomique. N'achète pas les trisomiques, sinon je te les souille. Bon, enfin bref, qu'est-ce que tu fais ici? Bagarre. D'accord. Je pense pas qu'il pourrait nous être utile. Non, sans blague. Je veux venir avec moi. Tape! Sortir! T'es vraiment sûr de toi? Parce que là, je vois pas en quoi tu pourrais être utile. Déjà, t'as quoi comme attaque? Coup de boule! Après, c'est tout. On est mal barré. Mais non! Faut pas dire ça! Ou faut être positif! Bon, bah, on a qu'à se contenter ce qu'on a. Pendant ce temps, on doit juste aider Melman à sortir de la cave. Et après, quand c'est fini, bah. Tu es libre. Oui! Moi, savoir où est-ce qu'il faut plantre pour progresser le chemin? Là-bas! Hé, attends, espèce de... Bon, bah, on a qu'à suivre Melman. J'espère qu'il sait où est-ce qu'il est. Oui! Bon, bah, allons-y. Moustillon! Ren! Yann, où est-ce que vous êtes? Moustillon! Ren! Yann! Où est-ce que vous êtes? Mon burger! Fruits! Caca! Zizi, où est-ce que vous êtes? Oh non! Mais arrête de reformuler tout ça! T'es n'importe quoi! Ta maman! Je suis désolé, mais il a qu'à pas pousser le bouchon trop loin! Méchant grenouille! Je suis un tétard! Oh, c'est pas possible! Tu entends ça? Est-ce que c'est... Yann? Ouais. Ren serait bizarre, mais Moustillon n'a pas ce genre de voix. Qui dit que ce serait le cas pour Ren? Oh, c'est un peu sérieux! Bonjour. Oh, bonjour, monsieur. Tiki, je suis... Hé, hey, attends une minute. Quoi? Lapin bleu, chemise rouge. Ah, je sais ce que t'es! Tu es Grand Schtroumpf en lapin? Quoi? Mais est-ce que j'ai l'air à tête de Grand Schtroumpf? Bah, oui, tu as la barbe. Mais c'est n'importe quoi! Non, mais arrêtez des conneries! Je suis Buster! Ah, oui! Mais oui, c'est vrai ça! Ce serait pas celui que mon mini-sange nous a parlé? Mini-sage! Le petit sage! Probablement, ouais. Buster, j'ai une lettre pour toi. Ah! Oh, c'est pas vrai, c'est quoi? Oh! C'est Bab! Ah. Tu es qu'un sale ordure, je te déteste. Bisous,
Babs. Ah, elle m'énerve des fois. Mais c'est, alors c'est pour ça que tu es dans la cave? Non, je suis dans la cave parce que le fait que j'ai voulu faire mon petit saut jusqu'à ce que je sois tombé dans une plaque à trous. D'accord. Mais pourquoi est-ce que tu pleures? Bah, de base, je savais où est-ce que je devais aller pour retrouver la sortie. Tu sais où est-ce qu'il a sorti, mais c'est trop cool. Sauf qu'il y a un petit problème. Quoi? Il y a un monstre. Chut! Un Pokémon, c'est... Non, 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 c'est pas du tout un Pokémon. C'est juste un monstre tout simplement bizarre. Et il est vraiment effrayant. C'est-à-dire... Ah! Sauf qu'il peut... C'est qui, lui? C'est un piranha. Un piranha? Ce serait pas plutôt un sort de robot des Elite Press Factory? C'est quoi? Mais de quoi vous parlez? Je connais même pas des Elite Press Factory, quoi que t'as d'autre. Attends, ça faisait combien de temps que tu es coincé ici? Depuis un an. Tu te rends compte? Un an. Attends, mais comment ça se fait que tu n'oses pas sortir d'ici? De base, je voulais m'amuser à créer quelque chose. Mais sauf que voilà, ça s'est mal passé. Créer quoi? Ma propre vie, dans cette cave. Mais sauf que ça s'est mal passé, jusqu'à ce que ce robot, ce sorte de monstre piranha vienne de nulle part. Un piranha, hein? Ça devrait la faire. Oh, mais vous êtes sûr que vous voulez battre contre ces monstres assez flippants? Bah, on n'a pas le choix. Oh là, bah, il ne reste plus qu'à battre. Hé, hey, toi! Hé, hey, toi, espèce d'ordure, je vais te... Il est trop expérimenté. Quoi? Ouais, beaucoup trop. Mais pourquoi est-ce que tu m'avais pas dit avant? Je dis ça comme ça. Ah, enfin bref, faudrait l'affronter, hein. Je sais pas pourquoi, mais je le sens mal. On s'en fiche. Moi, je m'écarte un peu, hein. Ok. Il n'a plus qu'à utiliser l'attaque, mon attaque préférée. Ah, aïe! Oh, t'as mal, ça va? Aïe, j'ai mal. Oh non, c'est pas vrai! Tu ne dis pas que tu es KO? Désolé, je peux pas continuer. Mais c'est quoi ce délire? J'ai fait du mal à mon ami, coup de boule! J'ai mal à la tête. Oh non, c'est vraiment incroyable! Oh, je peux pas me laisser faire. La faille! Oh non! J'arrive pas à y croire qu'il a réussi à résister ça! Aïe! Sauf qu'il peut! Bande d'inconscients! Heureusement que j'ai un tas de rappels sur moi! Oh, c'était quoi ce délire? Oh! Je faisais un rêve bizarre. J'étais en train de me faire sodomiser par un saucisse. Sérieux? Ouais, sérieux. Quoi? Buster! Alors, c'est pour ça pourquoi tu as évité ce monstre? Ouais, il était encore plus puissant que les autres. La seule façon de le battre, c'est que si seulement, il faudrait qu'il y ait des lumières. Où est-ce que tu voulais en venir par là? J'ai cru comprendre que ce piranha-là, je connais pas vraiment son nom, mais on m'a dit qu'il est de type sol ténèbres. Ténèbres? Il adore tout ce qui est ténèbres. Et donc, il préfère se planquer dans l'ombre pour qu'il soit indestructible. C'est vraiment intéressant. Mais alors, c'est quoi son... Mais alors, ça veut dire que ça a un rapport avec son talent? Ouais, son talent, c'est... passion des obscurités. Dès qu'il reste dans l'ombre, il augmente beaucoup plus de vitesse, d'attaque, quoi que ça d'autre, afin qu'il devienne encore plus puissant. Par contre, si dans le pire des cas, on utilise la lumière, il risque de s'affaiblir.
Donc t'essaies de me dire que la seule solution c'est de trouver un moyen de les faire, d'allumer les lumières. Exactement, les ampoules sont carrément grillées, donc il faut trouver un moyen, de changer d'ampoule et quoi que ça d'autre. Mais c'est qui a fait ça? C'est qui a détruit cette ampoule? Ah non, ça c'est juste parce que le fait que les ampoules ont été grillées depuis longtemps. Oh, d'accord. Mais si seulement faudrait un Pokémon de type électrique. Un Pokémon de type électrique? Ouais, exactement. Et j'ai entendu dire qu'il y a dans le coin, il existait un coin où on peut faire évoluer les Pokémon. C'est-à-dire le Super Evolution. Mais c'est cool! Mais qui t'en a parlé? Apparemment, je sais pas, ça doit être une sorte de Toa de type sol. Un des plus puissants, quoi. Enfin, non, pas des plus puissants, mais voilà. Le plus puissant de cette cave. Mais alors, ça voudrait dire que... Ouais, ce monstre-là n'était pas aussi puissant que l'autre. Mais alors, faut juste que trouver un moustillon et trouver un moyen de faire allumer les salles. Ouais, encore si on trouve un Pokémon. Et changer d'ampoule. Mais comment faire pour le changer d'ampoule? Pas besoin. Du moment qu'on a un Pokémon type électrique, on peut toujours s'arranger. Mais je croyais que les ampoules sont détruites. Et donc forcément, ça peut plus marcher. Qu'importe. Bon, c'est la seule chose que je puisse te demander. Bon, enfin bref, moi je vais juste je vais juste rester ici, en position fœtale, et puis pleurer. Pourquoi? Parce que j'ai peur. On est vraiment mal barré. Bon, on va pas se séparer, parce que le fait que vu que ce monstre est encore plus puissant, j'ai peur que l'un d'entre vous risque d'être KO et que du coup risquez d'être emprisonné par ce monstre. Qui te dit qu'il va nous prendre emprisonné? Ah oui, c'est vrai, Boustillon, Reine et Yann. Maintenant que j'y pense, est-ce qu'ils ont été subis à cause de ce monstre? Bonne question.